أوكي. بدي أشرح بس شوي عن قطاع غزة وموقع قطاع غزة. قطاع غزة. Let me speak كش أبدأ سو غزة is its geography. قطاع غزة رقعة صغيرة من الأرض. يعني هي 26,000 كيلو متر مربع تقريبا. 360,000. لا فلسطين ولا غزة. غزة. محاصرة من كل الجهات. يعني من الغرب اللي هو البحر الأبيض المتوسط. وطبعا بتتحكم فيه إسرائيل. الاحتلال الإسرائيلي بيتحكم فيه. ممنوع نقلط أكثر من. أيوة أيوة. أنت عندك باريس. غزة هي انساكرية. بريزون دو لاريتي. هي لا مير. هي دو لوتر كوتي إسرائيل. طبعا ممنوع نستخدمه لأكثر مثلا من ميلين ثلاثة أربعة حسب اللي هو الاحتلال قديش بيفرض على الصيادين اللي هو مسافة إنه يعبر. oui mais pour les pêcheurs et parfois c'est Israël qui décide si deux ou trois ou quatre miles. لكن كمسافرين كرحلات سفر ممنوع. voilà que comme tu risques de partir à l'étranger c'est absolument interdit. من الشمال والشرق بحصرنا طبعا الاحتلال الإسرائيلي. De l'est et de nord, et c'est l'occupation israélienne. الجنوب, اللي هو مصر. Mais le Janoub, l'Égypte. L'Égypte. Ah oui. Ah oui. C'est vrai? Mais c'est, je sais que ma voix est cassée. Je le sais. Mais je vais articuler. Voilà. Il faut me réveiller parce que parfois j'ai le temps de dormir. Voilà, exact. Vous avez raison, d'accord. Je parle un peu plus fort maintenant. D'accord. Merci, Régit. طبعاً لقبول أي قرار سياسي بيتم الضغط علينا. Pour accepter n'importe quelle décision politique, ils ont mis les Gazaouis sous pression. بإغلاق جميع المعابر. pour fermeture de le passage. طبعا بوقف ادخال المحروقات كالبنزين والسولار. parfois il empêche de faire entrer les pétrole. الطعام. et la nourriture aussi. المشتقات الثانية اللي بتستخدم في المصانع او في tout ce qui a besoin les entreprises et les طبعا المسافرين. également c'est interdit aux طبعا مصر صاحبة قرار ولكن برضو تأتمر بأمرة الاحتلال. مصر سوى ديزان إلي اندبندنت ميس إيجيبت إلي وبيع سكن ديمان إسرائيل. فيصبح قطاع غزة محاصر 100%. ولا هي غزة إلي فاما دي طول كوتي وانسيك. قبعنا سنوات على هذا الحال. حصار منذ أكثر من 16 عام واحنا تحت الحصار. Ça fait 16 ans qu'ils sont sur le encerclé, on peut dire. يعني بيفتحوا لنا نفس صغير على سبة انه احنا ما نموتش. Parfois on ouvre un petit trou pour qu'on respire un peu plus pour qu'on ne meure pas. يعني حتى لا تحدث يعني زي ما بيقولوا جريمة في قطاع غزة بيفتحوا لنا شوية هواء يخش اللي هو من خلال شوية أكل شوية شرب شوية محروقات ولكن بعوده بسكتوا تاني. oui parce que je sais que en Israël ils ont calculé combien de calories besoin un Gazaoui. C'est pour ça maintenant de temps en temps il envoie un peu de nourriture et un peu de pétrole. voilà c'est une petite chose pour que les gens ne meurent pas de faim. حتى نقبل بأي حاجة. pour accepter n'importe quelle solution. يعني أنا واحد من الناس اللي 12 سنة مش شايف اخوتي واحد في اسبانيا واحد في السويد بس تمكنت الرحله هذه انه انا اطلع حتى اشوفهم. Ça fait 12 ans que je n'ai pas vu mes frères là en Espagne l'autre en Suède. طبعا ça m'a donné l'occasion d'essayer de le voir. وارتفاع الكلفه لانه انت وانت محاصر في قطاع غزه ما بتقدرش تشتري تذاكر اونلاين. Et la première on ne peut pas sortir, deuxièmement on n'a pas les moyens pour voyager parce qu'il faut avoir des matériels, des moyens. على هذا النحو أهل غزة بيدفعوا الضعف في كل شيء. C'est pour ça les Gazaouis ils payent double pour tout.
C'est la situation à Gaza, c'est ça. Juste pour insister sur quelque chose, les gens qui ne connaissent pas Gaza, Gaza c'est en longueur, il fait 40 km, en largeur, en moyenne 14 km. Ça veut dire que c'est un endroit très très limité, entouré par Israël de deux côtés, du nord et l'est, et la mer de l'ouest, et Sinaï par du sud. Sinaï, ça veut dire l'Égypte. Et l'Égypte, il joue un rôle très très mauvais rôle contre les Palestiniens parce que question politique, anti-Hamas, anti, etc., etc. Enfin, mais l'histoire de tout ça, c'est que les populations qui souffrent de tout ça. يعني باختصار شديد غزة عبارة عن سجن كبير. Voilà, bref, c'est une prison en ciel ouvert. يعني تتحطم على شاطئي أمال أهل غزة. Sur se casse les espoirs les Gazaouis sur leur plage au bord de la mer. بإمكانك سؤال أي شيء في قطاع غزة كيف الحياة كيف الأطفال كيف النساء كيف أي حاجة بتحتاجوا تسألوا عنها أنا جاهز. La vie sociale à Gaza. Ici, par exemple, il y a les maisons, il y a chaque enfant dans son dans sa chambre, et il y a une maison, un appartement. Est-ce que et je vais les traduire après. Est-ce que les gens vivent ensemble dans la même pièce, 10, 12 personnes ? يعني الاحتلال دمر الكثير من المنازل في خلال الحروب السابقة. L'occupant a détruit beaucoup de maisons. والغريب في الأمر إنه قطاع غزة ما فيش أي ملجأ يعني يحمي الأطفال أو الناس. Qu'est-ce qui est étonnant qu'il n'a pas de des abris pour protéger les enfants. من القذائف اللي بتطلقها الدبابات أو أو الطائرات فما فيش مهرب إلا مدارس الأونروا للاحتماء هناك. Le seul moyen pour les enfants de pouvoir se protéger dans les écoles des Onorwa. Et là a été bombardé par de bombes par des bombes phosphoriques. C'était interdit internationalement dans les cours de l'école dans les cours de l'école où étaient réfugiés les réfugiés palestiniens, elle était bombardée exprès par les avions israéliens et il y avait beaucoup de victimes. Ce n'est pas la dernière guerre, l'avant-dernière guerre, c'était 2014. Il faut parler dans le micro parce qu'on enregistre tout. Ah oui, c'est vrai. يعني فهمت أنا إيش بي حتى مدارس الأونروا دمرت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. Même les écoles de Nahoué étaient attaquées par Israël. يعني ما في حماية نهائية لأي كائن في قطاع. Il n'y a aucune protection pour les gens de Gaza. Aucun lieu est protégé. وبالطبع من كثرة الغارات اللي استهدفت المنازل. Et il y avait beaucoup de bombardements qui ont démoli des maisons, oui. Et en plus, on ne peut pas reconstruire, parce qu'on n'a pas les produits matériels premiers. بيضطر الفلسطينيين إنه يعيش في غرفة مع 12 واحد أو 12 طفل هو وأخوه هو ابن عمه في غرفة واحدة. Et il peut être deux frères d'un cousin aussi dans la même pièce, dans la même chambre. Il n'y a pas d'autre solution. لأنه ما فيش مفر وين بده يروح. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Oui, alors si je peux prendre la parole. En fait, vous avez en partie répondu à ma question. Ma question, elle concerne les reconstructions.
On a vu des photos qui rendent compte de destruction massive, un délabrement considérable. On se demande où sont logés les gens. Et à l'heure actuelle, est-ce que des reconstructions ont pu se faire? Et comment sont relogées toutes les familles qui ont subi la destruction de leur logement? Voilà, sont-ils encore dehors, à la rue, en plein hiver? Y a-t-il des logements d'urgence qui les protègent? Nous savons qu'il y a un problème de matériaux, justement, d'acheminement de matériaux, mais est-ce qu'il est possible, malgré tout, de pallier cela? بالنسبة للمباني بالنسبة للمباني اللي دمرت من قبل الاحتلال في الحروب السابقة concerne les destructions des bâtiments dans les précédentes guerres كان هناك اعمار لبعض المنازل يعني نقدر نقول ل 50% من المنازل à peu près 50% des maisons, on a reconstruit. لكن إذا نظرت للحرب الأخيرة الخمسين يوم اللي حدثت في مايو السابق. La dernière guerre en mai, c'est pas la même chose. الاحتلال استهدف أبراج سكنية. L'occupant a attaqué même les grands bâtiments. يعني بدأ باستهداف الأبراج السكنية واحد تلو الآخر فكان هناك dans deux milliers pas mal des bâtiments grands bâtiments فكان هناك الكثير من اللاجئين اللي ما عارفش وين يروح il y avait beaucoup de monde ça pas où il faut aller زي ما حكيت لكم الوكالة كان دورها سلبي في استيعاب اللاجئين وتقديم الخدمات لهم لإجبارهم على العودة إلى منازلهم في كتير. C'est pour ça que le Norvège n'a pas joué son rôle pour aider les réfugiés, pour les obliger de retourner chez eux. في كتير من النازحين بيوتهم تعرضوا لتدمير جزئي. Il y a beaucoup de réfugiés et leur maison est détruite partiellement détruite. فهم يعني اللي بيقدر يصلح. صلح بيته حط بلاستيك بدل الشبابيك بناله أكم من حجر. Oui, c'est-à-dire ils ont bricolé des plastiques pour les fenêtres, quelques pierres l'un sur l'autre. وسكن هو وعائلته من البرد ومن هذا داخل البيت لا يصلح البيت لكن هو سكن داخله. Oh, c'était pas c'est une vraie maison, c'est il était obligé de s'abriter avec ses enfants, il fait très froid. يعني بتم الجدران أفضل من الشارع. Il préfère les murs qu'il est dans la rue comme ça. في اللي منازلهم هدمت بالكامل زي الأبراج اللي نزلت هذه. طبعا بروح اللي يستطيع بروح بتأجر في الخارج. Il y a des gens qui habitaient dans les grands bâtiments, voilà, et ils ont le moyen pour aller louer quelque part. واللي ما بيستطيعش إنه يتأجر اتجه لأقاربه لأخوه لابن عمه لجاره. وسي maintenant le rôle familial qui joue maintenant. Il faut aller chez son frère, son oncle. بعدين المواد البناء منعت لفترة كبيرة إنها تدخل قطاع غزة. Même pour construire, il n'y a pas de matériel première pour la construction. وهذا أثر على عملية الإعمار بشكل كبير. Oui, c'est pour ça, c'est pour le construire, reconstruction, c'était impossible presque. Est-ce qu'il a répondu à votre question? Je voulais dire que l'un des animateurs de IMSINA est actuellement en ligne, donc on va essayer de lui parler. Hi. 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 Happy to see you. And I am happy. No, I'm not sad. أهلا أبو أمير يعطيك العافية. أهلا فيك يا مرحبا. يا هلا فيك صديق.
تفضل بإمكانك تحكي بالعربي وبنترجم إذا كان بتحب أو زي ما بدكم. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle en anglais ou en français? En arabe. En arabe, pardon. En arabe ou en anglais? En arabe. بإمكانك تحكي أخ مارسيل بالعربي. تمام أنا بدي أحكي بالعربي الآن كلمة وإذا في أي سؤال حجاوب على التساؤلات الموجودة. ماشي بس اترك لنا مجال نترجم أوكي؟ أوكي أوكي طبعاً. يلا أوكي. أستاذي. السادة الحضور المتضامنين الأفاضل تفضل. سلام لكم، سلام من غزة. بونجور دي غزة. سلام من أرض خلقت للسلام وما رأت السلام يوما. بونجور دي لا تير دي لا بي. أحدثكم اليوم. Je vous parle aujourd'hui sur le centre de Ben Sina. Elle dit exactement la même chose, que la Gaza c'est une prison au ciel ouvert. L'homme, il perd sa humanité. ويحرم من أبسط حقوقه ومقومات حياته. إن ني نضواني إن الأنشطة التي نفذناها بمساندتكم. Notre activité qu'on a fait avec votre soutien. خلال الفترة الماضية والتي استهدفت الطبقات المهمشة والمنسية qui était ciblé les gens qui sont en marge de la société les pauvres, je veux dire, voilà. كانت خطوة عظيمة اتجاه الإنسانية. C'est un pas important vers l'humanisme. لذا نعمل أن تكون مفاجأة هذا المؤتمر. مفاجأة عفوا عيد. Ah ok, les résultats de notre travail. رافدا مهما لبناء حياة أفضل للمهمشين والمنسيين. Pour avoir une meilleure pour les oubliés et les pauvres à Gaza. On va réussir de pour changer la situation actuelle. Fadal. Fadal Marcel. Il n'entend pas. Le mouana ou l'alam, l'adhi aïcho. La liaison n'est pas bonne. La souffrance des gens de Gaza. Hi Marcel. Lida. C'est pour ça. دعوني أخبركم باسم شعبي. دعوني أقول لكم باسم شعبي. اسم شعبي. Au nom de notre peuple. غزة لم تفقد الأمل يوما. Gaza n'a pas perdu l'espoir un jour. Jamais. وأطفال غزة يعشقون الحياة. Les enfants de Gaza aiment la vie. لذا بكم وبنا. بكم وبنا. Voilà. Oui. Nous ensemble. وبأهدافنا المشتركة النبيلة. On a des points communs nobles. نضع واقع أجمل pour avoir une vie meilleure
ونحصد أملا يتجدد لسكان القطاع. في renouvelé l'espoir des habitants de Gaza. Thank you very much, Marcel. We will ask. Est-ce qu'il y a des questions directes à Gaza? في أحد الأخوة لأنه سألوا أبو أمير قبل شوي كمان فكان إشباع للموضوع. أها. Vous disiez qu'il y avait encore de l'espoir à Gaza. Je pense qu'il y a eu plusieurs événements dans les dernières années avec l'espoir un peu qui a dû osciller. Quel est en ce moment en fait l'état d'esprit des Gazaouites un peu au niveau politique mais voilà, est-ce qu'ils ont encore de l'espoir? C'est quoi qu'est-ce qu'ils pensent actuellement? Parce que c'est vrai que c'est passé un peu hors des radars, mais voilà, quel est l'état d'esprit là-bas? كيف الحالة النفسية للأهل في غزة وهل هناك أي أمل أو يتأملون في حل أو في وضع الناس في وضع أفضل بعد طبعا بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت بما فيها عمليات الحرب اللي قامت فيها إسرائيل ضد غزة يعني هل في أمل لحد الآن عندكم بالإنجاز؟ تفضل. تمام. ممكن لو بدنا نحكي عن وضع غزة بشكل عام. Si on parle de la situation de Gaza. تفضل. من سنوات عديدة قطاع غزة بيعاني من كثير مشاكل. نسبة الأسر الفقيرة أو شديدة الفقر 40%، نسبة البطالة بين كل فردين بتلاقي فرد عاطل عن العمل. على مهلك حبيبي. تفضل. اوكي، et si on parle de la situation à Gaza depuis ça fait très très longtemps, il y a le chômage, il y a beaucoup de familles qui vivent avec l'aide de l'extérieur. Oui, le chômage aussi, il faut parler du chômage, il parle des 50% ou plus des 50% de chômage à Gaza. وفق تقارير للأمم المتحدة أعلنت إنه قطاع غزة حيكون غير صالح للسكن أو غير صالح للحياة البشرية. Même il y avait une étude de un rapport qui à Gaza c'est invivable. C'est le Leroy qui dit ça. رغم هيك لو طلعنا من الشباك الآن بتلاقي الحياة مستمرة في قطاع غزة. لو شفت الطفل الصغير بتلاقي الأمل لسه موجود في عينيه. Malgré tout, si on regarde par la fenêtre, on voit il y a une vie à Gaza. Oui, et les enfants ils jouent, ils ont l'espoir pour vivre. تفضل. يعني رغم كل الضغوط ورغم كل الممارسات من الاحتلال. إلا إنه شعب غزة صامد، بنقدر نحكي إنه ما فقد الأمل، بيرغب في حياة أفضل إله، هو صابر نوعا ما الآن، ولكن يرغب في حياة أفضل، ولم يفقد الأمل بعد يعني. Malgré toutes ces difficultés, les Gazaouis sont toujours ils ont espoir et ils baissent pas les bras. Ils résistent. Ils résistent toujours. يعني كمثال بسيط ممكن أطرحه. Un exemple. إنه في إنه قطاع غزة ممكن يجي الاحتلال يجرف الأراضي الزراعية أو يسممها بالمبيدات. ثاني يوم. Même si l'occupant l'Israël va détruire l'agriculture de Gaza et où elle envoie des produits pour détruire la culture à Gaza. تفضل. وثاني يوم يجي المزارع ويعيد زراعة أرضه، يعني نوع من العناد بس مش هي عناد، هي حب في الحياة، عندهم أمل. هذا الموضوع الموجود في غزة بشكل عام. Malgré tout, le paysan il retourne pour cultiver sa propre terre. C'est une forme de résistance pour dire on n'accepte pas ce que vous avez fait. Oui, تفضل. مثال ثاني. إنه بعد الحرب إحنا عملنا
من خلالكم مبادرة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال في قطاع غزة. D'autres que autre chose qui on a avec vous on a commencé de pouvoir faire le sourire sur les visages des enfants. Le sourire. كنا نشوف يعني حالات على أرض الواقع. Qu'on a vu parfois des situations sur place. À سبيل المثال رغم الدمار رغم الكم الهائل. Par exemple. من البيوت المدمرة. Bien que les maisons aient été détruites. إلا أن الأطفال كنا نشوفه مثلا في حفرة بسبب صاروخ F-16 أو بسبب القصف حفرة كبيرة يستخدموها كمرجيحة أو يستخدموها يلعبوا فيها. Oui, فالحقيقة أن في قطاع غزة مستمرة. Les enfants, parfois ils sont en train de jouer avec des missiles qu'ils envoient à Israël. Et parfois ils font des balançoires avec, ils s'amusent avec. رغم ممكن احكي في موضوع مهم جدا انه الاشياء البسيطه اللي ممكن يعملها اي شخص في بيته عندنا بنجد صعوبه جدا في انه نعملها يعني بمعنى مثلا ازور اخوي وي بدي ازور تفضل حبيبي تفضل بدي ازور اخوي مثلا بدي اتاكد هل موجود عنده تيار كهربائي او لا او بدي ادرس اولادي في البيت. Il donne un exemple quand il va visiter son frère. Ah oui, il y a une histoire à Gaza. Il y a une histoire à Gaza, on n'a pas parlé. C'est que l'électricité à Gaza est en moyenne entre 12 heures et 4 heures au meilleur cas. Alors, donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, il y a des quartiers. Ils ont de l'électricité, alors elle se déplace avec ses enfants pour qu'ils puissent donner des cours ou travailler avec les enfants pour qu'ils puissent continuer à aller à l'école, quoi, pour faire leurs devoirs. Mais c'est très important, l'électricité à Gaza, vraiment, vraiment, c'est la catastrophe. Je vois, quand je parle avec mes amis, et ils n'ont pas de charge, ils ne peuvent pas charger leur téléphone, ou ils n'ont pas de Wi-Fi, etc. Parce que simplement, ils ont 2 heures par jour en moyenne, ou 3 heures par jour d'électricité. Et en plus, des qualités zéro, quoi. C'est très faible, quoi. On ne peut pas faire marcher, par exemple, la machine à laver, ou plein de choses qui sont vraiment inhumaines, quoi. 12% من وفيات في قطاع غزة للأطفال هي بسبب المياه اللي هي غير صالحة للشرب، و 26% من أسباب الأمراض اللي بتصيب الأطفال عندنا في قطاع غزة أرضا ترجع لسوء المياه أو إنها غير قابلة للاستخدام. على مهلك. Les maladies, 26%, ça vient de l'eau qui est polluée. Et le malnutrition également. تفضل حبيبي. بتشكرك كثير سارة على كل هذا اللي بتعملوه. شكرا لكم. I would like to hear Abu Amir on the same question. Where is hope? وين ال hope؟ الهوب موجود، الأمل موجود دائما، بدونه ما بنقدرش نعيش. L'espoir, il existe toujours, et sans l'espoir, on ne peut pas vivre. L'espoir qui l'a fait venir ici et pour vous voir. L'espoir toujours existe. Sans l'espoir, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans espoir. Juste, j'avais eu l'honneur de rencontrer Nabila qui était venue de Gaza aussi. Et elle nous avait raconté son périple pour sortir de Gaza. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez fait pour sortir de Gaza. Parce que c'est pas si simple qu'on le croit. Euh,
وأنا حكيت في السابق إنه الحصار موجود على قطاع غزة، ولكن بيصير في بعض الأحيان اللي هو تخفيف حصار. Parfois il y a diminution de l'espace certaines personnes de temps en temps. يعني كان قبل هيك قبل تقريبا خمس شهور أو أربع شهور اللي في سني لما بدي يطلع لازم يدفع مصاري كتنسيق. Il y a cinq mois à peu près, il faut payer une somme d'argent pour sortir. هذا بس عشان اجتاز المعبر المصري لازم أدفع $700. Et pour traverser la douane égyptienne, il faut qu'il paye $700. ولكن الآن ضمن ما يسميه المصريين. Mais ce qu'ils disent actuellement, ce qu'ils disent les Égyptiens. من تسهيلات للفلسطينيين. Il y a des facilités pour les Palestiniens. يعني صنفوني إنه أنا من ضمن الناس اللي J'étais chanceux que j'étais élu par rapport beaucoup de gens qui ont demandé le passage. Âgé. يعني من ضمن الناس المسنة. Mais l'avantage, hein, je le vois. Hein. Oui, parce qu'il est âgé, c'est pour ça qu'on l'a laissé passer. Ah, il n'est pas dangereux à son âge. C'est pour ça qu'il peut passer. هذه الفلوس مش فلوس إنه للمعبر فيزا أو لا هذه بس عشان يحطوا اسمي إن أنا بقدر أخش. Et cet argent c'est pas pour avoir les visas ou non simplement qu'il peut passer si il paye de $700. للضباط المصريين. Ah pour les officiers égyptiens. Les officiers égyptiens c'est pas une taxe ça veut dire c'est يعني باختصار شديد المشروع الفلسطيني الإنسان الفلسطيني هو مشروع استثماري بالنسبة للمصريين طبعا la catastrophe des Palestiniens c'est un projet qui donne beaucoup de rapports de sous quoi aux officiers égyptiens. Ça veut dire, j'entends dire, il faut qu'il paye. Enfin, je veux dire, l'officier égyptien, pour qu'il y aille à la frontière de Gaza, il paye à son officier plus gradé pour qu'il puisse, parce qu'il a, il y a un bénéfice énorme. Ça veut dire, c'est du commerce. Ça veut dire, les Gazaouis, finalement, ils sont bien gâtés partout. Par tous les moyens, quoi. Si c'était les Égyptiens, si c'était la mer, si c'était les Israéliens surtout. Et là, c'était immanquable, quoi, la situation. Voilà. Et d'ailleurs, Nabila avait payé à l'époque. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Après, il peut y avoir des situations terrible, notre ami Amal, qui devait retourner absolument pour passer sa thèse de médecine à Limoges, elle s'est trouvée coincée dans la route le long du Sinaï, entre la frontière de Rafah, enfin entre la barrière de Rafah et le Caire. Ils étaient coincés, aucune voiture ne pouvait avancer, peut-être plusieurs dizaines, peut-être une centaine de voitures coincées comme ça, et ils entendaient les bombardements, les avions qui arrivaient, et tu ne peux rien faire. Tu es coincé dans ta voiture, ce sera ta chance ou pas ta chance, quoi. C'est ça aussi, la vie à Gaza. Moi, je me rappelle que par rapport au bombardement de 2012, ce qui m'a paru le plus difficile, c'est qu'on n'a pas les moyens de décider de manière rationnelle. On prend cette rue ou on prend celle-là. Il n'y a pas de raison d'en choisir, et peut-être l'une ce sera la mort et l'autre la vie. Donc ça tire sur les nerfs énormément. يعني بحب أضيف كمان إنه هناك الكثير من العائلات الفلسطينية بالذات الفلسطينية. Je vais rajouter encore, il y a beaucoup de familles palestiniennes.
اللي ممكن يموت بعضها بدون انه يشوف يعني الواحد يشوف الثاني. Il va peut-être perdre la vie sans voir l'un ou l'autre. ممكن ام تموت قبل ما تشوف ابنها لانه ما بيستط هي ما بتقدرش تطلع له وهو ما بيقدرش يخش. C'est vrai parfois qu'ils aient une mère qui meurt sans voir ses enfants qui sont à l'étranger. الحالات هذه حدثت كثير. Et il y a beaucoup, parce qu'il y a les liens familiaux dans la société palestinienne, c'est énorme. La mère pour un Palestinien est sacrée. D'accord. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas vu ses frères, un exemple. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et il y en a qui sont décédés sans voir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ça, on l'appelle ici, c'est une torture. C'est vrai, ici on ne le sent pas en France. Mais pour nous, c'est essentiel de voir la mère ou le père avant sa mort. D'assister à ses funérailles, par exemple. Essentiel. Et je racontais quelque chose en dehors. Et récemment, j'étais au l'examen des permis de conduire à Montpellier. J'ai présenté une fille marocaine. Cette fille, elle voulait aller voir sa mère au Maroc, qu'elle va mourir peut-être. Elle a fini l'examen. À la fin de l'examen, elle a contacté le Maroc. Elle a eu des mauvaises nouvelles que sa mère est décédée. Sur place, elle s'acharnait, elle se jetait par terre. De colère parce qu'il n'a pas pu voir sa mère avant sa mort. Pour donner les liens de la famille, c'est énorme dans la société palestinienne, arabe aussi. Je voulais dire juste quelque chose sur l'Égypte. J'ai traversé le Sinaï en 2013, 7 checkpoints à l'aller et 11 checkpoints au retour. Il faut savoir que si à Gaza 1% de la population est illettrée, peut-être au moins, tout le monde va à l'école. En Égypte, c'est 35% de la population qui est illettrée. Et il faut comprendre ce que c'est qu'une armée d'illettrés dirigée par des généraux. C'est-à-dire que c'est l'humiliation permanente. Et moi, quand on m'a renversé mon sac et tout, j'ai cherché partout un capitaine parlant anglais, étant capable de traduire. Mais c'est aussi la réalité. C'est une armée qui rackette et rançonne les Palestiniens. C'est aussi une armée d'illettrés. C'était tout simplement, je faisais pas un parallèle, mais il y a des années, j'étais allée en Cisjordanie et j'étais choquée par le fait que au camp de Balata, c'est ça, Balata, nous avait expliqué que beaucoup de jeunes étaient suicidaires. Il y avait beaucoup de suicides parmi les adolescents et les jeunes. Et je me posais la question par rapport à Gaza. Ouais. Si tout le monde sourit et garde le dynamisme, l'espoir, c'est formidable. Mais il n'y a pas de problème de suicide au point où c'est ce camp de Cisjordanie. Oui, donc, oui. Oui, cette هاي كانت هي وزوجها في غزة في عفوا في مخيم بلاطة في جنب نابلس وتسأل إنه هناك كانت سمعت أو إنه طلعت على إنه نسبة نسبة الانتحار في عند الشباب كثيرة فهل إنه هاي النسبة موجود كيف النسبة للوضع في غزة هل إنه في حالات انتحار أو في يعني حاجة بتدل أو مؤشرات بتدل على إنه في يعني محاولات للانتحار تفضل أخي مرسيل أكيد في الفترة الأخيرة كان في نسبة انتحار كبيرة خاصة بين الشباب وإلها أسباب عديدة كانت عندنا استنى شوي Dans les derniers temps, il y avait un bon pourcentage chez les jeunes de se suicider. Oui, la tentative, quoi. احنا بنحكي عن الاسباب الاساسيه كانت لها بالاغلب اسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه. Il y a deux raisons, c'est social et économique aussi. تفضل.
نتحدث انه في 300 الف خريج في قطاع غزه من حمله الشهادات من بكالوريوس لماجستير لدكتوراه عاطلين عن العمل. Il y a 300 000 diplômés de doctorat, ils ont fait études supérieures. Ils n'ont pas de travail. Ils sont au chômage. Les diplômés. Elle parle qui est diplômé. تفضل. الشباب هذول مش ملاقين فرصة عمل بحس حالهم عالة على أسرهم مش قادرين يكونوا بيت أو يتزوجوا. ces gens ils sentent qu'ils sont un fardeau à la famille. Ils peuvent pas se marier, ils peuvent pas construire une maison. كان في اتجاه في مجموعة من الشباب اتجهت للهجرة خارج قطاع غزة. Beaucoup de jeunes ont décidé de quitter Gaza, ils vont partir à l'étranger. والمجموعة الثانية اللي ظلت في غزة في منهم صار حالات انتحار. Les partis ont resté là-bas, il y avait des cas de suicide. ولكن وفق لمشاهداتنا وفق للنسب النسبة الأكبر كانت اللي هو جلطات أو وفيات أو أزمات قلبية ما بين شباب صغار في العمر بتحكي ما بين 20 سنة ل 35 سنة كانت نسبة الوفيات عالية جدا بالإضافة للانتحار اللي أسباب بترجع لأزمات قلبية. Il y a beaucoup qui ont des arrêts cardiaques qui sont décédés à cause de ça. Fractus aussi. Fractus également, oui. بدي أنهي حديثي فيه إنه كنسبة معلنة من هيئة حكومية نسبة الانتحار والأمور هاي ما في أي جهة حكومية تقدر تعطينا نسبة لأنه حتى إعلاميا بيتم التغطية عليها. Il n'y a pas de statistiques parce que au niveau on ne parle pas de ça. Il n'y a pas un pourcentage important qui déjà qui se suicide. Il n'est pas d'accord. On ne peut pas compter comme un pourcentage. Il y a des cas de suicide, mais ce n'est pas un pourcentage important. Elle peut être 0, tel ou tel quoi, par rapport à la moyenne mondiale. Je vous remercie et avant de passer avant de vous passer le micro à mon voisin, je voulais simplement c'est pour moi, pardon. Je voulais simplement poser la question comment communiquer avec ces de chez vous de Gaza en France, communiquer avec ces enfants, adolescents ou enfants, communiquer par Internet, comment Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pas communiquer, échanger, comme on pensait en Cisjordanie, la France-Palestine Association proposait des échanges entre les enfants de Cisjordanie et nous. Oui. Très difficile, mais est-ce que l'on peut aussi imaginer avec les enfants de Gaza? Des échanges, je ne sais pas, internet ou écriture ou autre. Et la crise des internets. L'occupation d'Israël interdit. Oui. Et il interdit tous les moyens pour améliorer l'internet ou le reste. عندنا الشبكات الموجودة لحتى الآن اللي هو 2G بقول 2G ما ممنوع نطورها أكثر من هيك. أي زون دي 2G أو شبكة الجيل الثاني بمعنى. L'occupation, elle interdit le peuple là-bas pour
avancer pour développer. Avoir plus que 2G ou 3G au maximum. C'est interdit par Israël. بالإضافة إنه أسعار الاتصالات عندنا نوعا ما غالية مش الكل بيقدر يوفرها. Et toutes ces communications sont trop chères pour les Gazaouis. وتفضل حبيبي. بالإضافة لهيك بنضيف المشكلة العظمى الموجودة عندنا إنه هل الجوال في شحن نقدر نتواصل في الوقت المناسب أو لا إنه بنقدر نشحن كهرب أو لا. Oui, ce qu'on a, ce que je dis, il peut pas même pas charger des fois son téléphone parce qu'il y a pas d'électricité déjà. يعني لو اجت الكهرباء 8 ساعات في اليوم بيكون بالنسبه لنا انجاز وانه اجت كانها 24 ساعه. Des fois il faut il s'arrive qu'il soit au meilleur cas 8 heures. Il peut avoir de l'électricité par jour. Mais pas tous les jours. Ça c'est exceptionnel. تفضل. عشان هيك بحكي من ناحيه تقنيه في مشاكل صح بس الشباب بيتواصلوا طبعا. Techniquement, c'est très difficile, mais le jeune il se communique entre eux, quoi. Il arrive à trouver moyen pour se communiquer. Parce que voilà, il y a des astuces aussi à Gaza. J'ai vu des reportages, j'ai entendu des amis. Je ne sais pas si vous connaissez Nabil ou Jamal. Il m'a parlé il utilise les batteries de voitures, les charges, les panneaux solaires fabriqués sur place, quoi. C'est fabriqué maison, quoi. Il y a aussi les, comment ça s'appelait, le générateur, le groupe électrogène, oui. Les dernières agressions à Gaza, c'est... C'est pas le même que tous les agressions précédentes, voilà. إنه كان في هناك تواصل بشكل مستمر لنقل الأحداث من قطاع غزة للمتضامنين وللشباب خارج قطاع غزة، فأصبحت قصة العدوان على قطاع غزة قصة عالمية بتم تداولها بشكل مستمر. Oui, enfin, تقصد إنه كان في يعني. ما فهمت عليه شو اللي بدي احكي في الموضوع شو بتقصد بالضبط يعني القصد انه في العدوان الاخير هذا على قطاع غزه كان في تناقل الاخبار عبر وسائل التواصل بشكل مستمر بين الشباب يعني كمثل ثاني انا اخوي في اوكرانيا كنت يحكي لي الاخبار بتصير عندي في حلول مثلا اخذها من اخوي في اوكرانيا او من اختي اللي في مصر اوكي L'Internet joue un rôle important dans les communications, surtout quand les périodes de crise. Par exemple, les derniers bombardements, c'était les Gazaouis, ils se communiquent entre eux et à l'international pour avoir un appui et des solidarités de l'étranger, quoi. Tfadal. C'est bon. S'il y a des questions. Je voulais juste répondre qu'est-ce que les contacts qu'on peut avoir, ce qu'on peut faire. Il y a l'exposition, là, il y a le projet, justement, là vous pouvez mieux en parler, de la pépinière et le projet de soutien des agriculteurs. Enfin, il y a plein de moyens d'être en contact et de soutenir et d'être en contact avec Gaza. Mais là, peut-être, vous en parlerez mieux que moi, Sarah et Pierre, mais voilà, ça me m'évoquait ça. يعني هو اللي أنا حابة أحكيه إنه اللي حابة أحكيه إنه إحنا نفذنا الكثير من الأنشطة والمشاريع إن كانت زراعية أو إن كانت تنموية. C'est que je veux dire qu'on a exécuté pas mal des projets agricoles ou d'autres. في الفترة الأخيرة الماضية طبعا. واللي ساعدنا في هذا الكلام
اللي هو الدعم المستمر من قبل المؤسسات الفرنسية والحركات التضامن الفرنسية. Voilà, c'est ce qui nous a aidé, c'est les activités de soutien de qui vient de la France ou d'autres pays aussi. كنا يعني كنا بنعمل فيش من في بننفذ أنشطة ومشاريع من شقين. الشق الأول زراعي بنخدم المزارعين فئة المزارعين اللي المهمشة على الحدود. Qu'ils ont fait deux choses pour aider les agriculteurs qui se trouvent à la frontière. ومن ناحية أخرى برضو بنشتغل على اللي هو الدعم النفسي والمجتمعي والمساعدات الغذائية وال De l'autre côté aussi, au niveau psychologique, on aide les gens dans, à travers notre activité, nos activités. Grâce à vos aides, votre soutien pour les Gazaouis. Je remercie le peuple français. اللي أثبت في الفترة الأخيرة إنه هو كان من أوائل الشعوب الأوروبية اللي ساهمت في نماء. Il a montré qu'il était le premier qui a aidé en grande partie les Gazaouis. Et je vous remercie. Bonsoir. Je suis surprise d'entendre de tels remerciements de la part de Gaza pour les Français, parce qu'il me semble qu'il se passe peu de choses vis-à-vis de Gaza. Vous pouvez nous donner des exemples d'aide qu'a apporté la France à Gaza ? Enfin, les Français. Sache, il me semble... Voilà. يعني يس كيف نفذنا هذه الأنشطة الكثيرة كما ترين من خلالكم خلال مؤسسات vous aide on a réussi de faire tous ces projets que vous voyez ici. C'est ce que vous verrez ici. Hein. Voilà, il n'y a pas que ça, mais dans les images que vous voyez là, en 2016, on a reçu un appel du Mokhtar de Houza que leur récolte était en train de pourrir sur place, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Nous ne sommes pas une association humanitaire, nous l'avons répété, nous sommes une association politique. Et malgré tout, nous avons lancé un appel aux solidaires en France qui ont répondu. Donc il y a eu en décembre 2016 un château d'eau de 17 mètres de haut, 107 000 litres, qui est à 1 km de la barrière. Et c'est la décision des paysans et d'Abu Amir. Ils ont mis UJFP dessus. Donc si les Israéliens attaquent, ce sera clairement un acte antisémite. Ensuite, il y a eu la construction de plusieurs kilomètres de canalisation pour qu'un nombre bien plus important d'exploitation agricole puisse bénéficier de cette eau qui est à 200 mètres sous terre. Et puis il a fallu soutenir le prix de l'eau parce que la plupart des agriculteurs sont trop pauvres pour payer le prix de l'eau et donc même avec le château d'eau, ça ne suffisait pas. Et puis ces paysans sont indépendants des partis politiques et ils nous ont demandé une maison des paysans qui s'appelle là-bas à Gaza UGFP Headquarters, le quartier général UGFP. Et même les dignitaires locaux viennent dans la maison de l'UJFP pour discuter avec les paysans. Et puis là, ça dépassait nos possibilités. On est allé voir Humanitaire, qui est l'ancien CBSP, Comité de bienfaisance de soutien aux Palestiniens. Ils ont plus de moyens que nous, mais nos efforts conjugués et surtout l'ingéniosité d'Abu Amir ont permis la construction d'une pépinière solidaire qui ne fait pas d'argent, dont le but est que les paysans soient indépendants des semenciers et puissent
avoir leur propre plan. Et donc tout le but de la société, c'est qu'ils puissent vivre de leur récolte et qu'ils puissent nourrir leur population. Donc depuis, la pépinière a été agrandie. Depuis, Abou Amir s'est lancé aussi, et avec de nouveaux fonds de la solidarité, dans une veille sanitaire. On a pu lui procurer une voiture. Il circule dans Gaza. Il interviewe il y a un numéro de téléphone où tous les agriculteurs de la bande de Gaza, dans une voiture qui est marquée UJFP et humanitaire, peuvent téléphoner. Il y a un ingénieur agronome avec eux et qui fait le médecin pour les difficultés des agriculteurs. Donc je veux dire, tout ça, c'est évidemment pas l'État français qui est complice, qui est impérialiste, qui vend des armes à Israël et qui essaie de criminaliser le BDS et l'antisionisme. Mais tout ça, ça a été le résultat de ce que la société civile et la solidarité peuvent faire en France. On arrête d'avoir des images romantiques sur Gaza. Il y a une réalité de l'aide qu'on peut apporter. À notre modeste niveau, on estime l'avoir tenté, en tout cas. Oui, un espoir outre les changements de situation géopolitique. Parce que clairement, Israël a les mains libres. Peut-être que ça peut changer. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si vous entendez à longueur de médias dire du mal de l'Iran, parce que quand même l'Iran, il est plutôt dans le camp des Palestiniens que l'Arabie Saoudite, dont on cache tous les méfaits. Bon, je sais pas, j'ai pas besoin de faire un dessin. Et l'espoir, c'est que l'occupant paye un prix. Et jusqu'à présent, Israël ne payait aucun prix, sauf quelques petites roquettes et quelques petits missiles qui, d'ailleurs, peut-être se sont un peu améliorés dernièrement. Donc ça, c'est aussi un espoir. Et l'occupant doit payer un prix. Donc il faut accentuer la campagne BDS, à mon avis, boycott des investissements, sanctions, qui essaie d'atteindre Israël. Il faut essayer d'atteindre Israël. Israël et ceux qui soutiennent Israël, c'est-à-dire les entreprises, AXA, etc. Voilà, mais je vais essayer de traduire. Oui, donc, Ortnaheim, tu as dit qu'il y a في خلط في الأوراق يعني بين قوسين إنه والله إنه إيران يعني هي كمان هدف لبعض الأنظمة العربية وكذا إلى آخره وهم الأنظمة العربية هي اللي بتساعد إسرائيل بين قوسين ولحد الآن إسرائيل ما يعني ما فيش أي نوع من العقاب عليها واحد ثاني إشي بتحكي إنه كيف بدنا نقدر يعني كشعوب وكمجموع كيف بدنا نوقع العقاب على إسرائيل والبي دي إس هو أحد الحلول يعني البي دي إس المقاطعة كل ما هو صهيوني هذا كثير كثير مهم يعني ما معناه يعني هذا المجمل ما تفضلت فيه الست كريستين تفضل هذا بده علق من الإخوان مرسيل أو أبو أمير تمام الآن في موضوع تحكي في موضوع إيران وإسرائيل صحيح؟ حسب ما سمعت؟ تفضل تمام. يعني لا تفضل. بالنسبة لإيران لأنه بتعرف إيران حاليا يعني تحت النار بين قوسين يعني بس مش موضوعنا هو انا ممكن تمام بس انا ممكن اختصر الموضوع بجمله بسيطه انه كثير في بيستغلوا القضيه الفلسطينيه كورقه ضغط سواء كورقه ضغط من دوله قطر على غيرها وكورقه ضغط من الامارات على غيرها كورقه ضغط من ايران على غيرها القضية الفلسطينية من هذه الناحية على مهلك بس هي التعقيب على مهلك يا أخوي l'idée que ce que tout le monde ils font pression entre eux un sur l'autre et au bout ce que je veux à la fin oui ce que je veux dire par là c'est les Palestiniens qui payent tout entre guillemets ça veut dire nous sommes de gens qui sont entre les deux feux ou tous les feux ce qui peut exister ça veut dire
nous sommes les victimes. En même temps, il faut qu'on prenne des positions contre tel ou pour tel. Et là, ça ne range pas l'autre, ça range pas les autres. Et voilà, et on se perd là. Tfadal. Tamam. الان بدي احكي في موضوع البي دي اس. Je vais parler par rapport à la BDS, oui. كيف؟ Oui, تفضل بترجم انا. على موضوع البي دي اس وكنا نوقع العقاب على اسرائيل، على سبيل المثال اليوم كان عندنا في مركز ابن سينا شرح لمفهوم البي دي اس لانه في كثير بيعرفوهوش. Aujourd'hui, ils ont fait un séminaire. Quelque chose comme ça, pour expliquer aux gens le rôle de BDS et l'importance de BDS dans le monde, quoi. Faddan. طبعاً أحضرنا المتطوعين حكينا عن تاريخ حركة BDS وعن أهدافها. Ils ont parlé de l'historique de BDS et de ce but, quoi. بالإضافة للأمهات على أساس إن تكون المقاطعة تبدأ من الطفل لنغرس مفهوم المقاطعة في الطفل هو الصغير. Oui, même ils ont fait assister sur les femmes pour qu'ils puissent expliquer à leurs enfants l'importance qu'ils pas consommer israélien. أثناء الحديث استغربوا المتطوعين عن أنشطة المختلفة في فرنسا في أمريكا المقاطعة الأكاديمية اللي تمت ومفهوم البي دي اس وقديش في متضامنين معنا. Oui, ils ont parlé. حركة البي دي اس. Ils ont parlé aussi le BDS, le rôle des BDS, c'était en Europe aussi, c'était aux États-Unis et le boycott académique israélien, voilà. تفضل. المحاضر كان موجود من مؤسسي حركة البي دي اس في قطاع غزة. L'interlocuteur, c'était le représentant des BDS à Gaza. Il a parlé des réussites, des résultats de leur action de boycott internationalement. فعنا في قطاع غزة صح أنا بتمس القضية الفلسطينية بس ما عندهم مش علم مفهوم البي دي اس بالحركة الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل. بس كم ils ont pas cette culture pour boycotter Israël parce qu'ils sont sous l'occupation d'Israël, enfin sur les pressions. Ouais, c'est ouais. Voilà, c'est en plus des fois c'est pas loi qui dit, c'est moi qui. Ils avaient pas les choix parce que c'est Israël qui filtre et des fois elle les vendent des produits périmés. Ils sont au près de ce qu'il va être périmé, alors elle exporte pour Gaza et en plus ils les vendent très 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 cher, hein, beaucoup plus cher qu'en Israël même. Non, je parle. Oui, non, ce que j'explique, ça c'est des mois, quoi, je l'explique. Ce que j'ai entendu. Ah non. Ah oui, il faut avoir coordination, oui. Faddal. لازم يكون تغطية إعلامية للأحداث وللفعاليات والأنشطة اللي بتتم خارج فلسطين وكذلك تغطية إعلامية للأحداث اللي بتمس البي دي اس داخل فلسطين. Ça sera bien qu'il soit en Palestine, à Gaza, si c'est en Cisjordanie, pour voir l'action et voir l'information sur le PDS et l'action dans le monde entier. المتطوعين موجودين عندنا بيتم تدقيقهم في موضوع البي دي اس في اليات المقاطعه وتعزيزها. Comme ça, c'est pour expliquer aux gens l'importance et avoir l'exemple pour continuer à faire les boycotts, quoi. وبناء عليه حيتم تشكيل لجان وفرق شبابية. Et par rapport à ça, elle préfère faire de commissions ou d'organisations à Gaza pour continuer à informer les publics.
حيتم تنفيذ من خلال هذه الفرق الموجودة في شمال غزة أنشطة بشكل دوري واجتماعات دورية حتكون لهم في موضوع البدئاس والتوعية وآلية تعزيز البدئاس والضغط على الصين. Les BDS, c'est un des voies préférées de, ou les moyens pour faire des pressions contre Israël. Et donc, dans le nord de Gaza, ils essayent de faire informer les jeunes là-bas pour puissent pratiquer ça et informer dans leurs médias le rôle des BDS. تفضل. كاقتراح المهم جدا بالنسبة لي أو بالنسبة لنا إنه يتم تجميع هذه الأنشطة كمادة إعلامية اختيار موقع ويب محدد يعني تحديد الفعاليات في اتجاه واحد. C'est très important pour eux que si on peut avoir un site ou un centre d'information pour puisse tout le monde puisse consulter quoi. C'est pas mal, hein? C'est une bonne idée. Oui, pour couvrir les activités de BDS en Europe ou dans le monde régulièrement. كأي اقتراحات لتعزيز مفهوم البي دي اس وتطويره احنا كمتطوعين في قطاع غزة جاهزين لأي اقتراحات بمعنى on est dans l'association Ibn Sina, on est prêt comme volontaires d'Ibn Sina, ils sont prêts à aider et à diffuser tous les idées des BDS et la culture des BDS. C'est bon? Oui. هيك بنكون خلصنا لأنه الصالي عنا لأي ساعة للساعة 9. شكرا كثير أخ مرسال وأخ أبو أمير. شكرا كثير جدا. إن شاء الله بنشوفك على خير حبيبي. مشكورين جدا يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. شكرا كثير أبو أمير. أنا حسين أبو زيد من مونبلييه والأخ فتحي أبو شرخ من هناك.